On ne l'a pas forcément vécu, mais on a connu à un moment de notre vie ces histoires de maîtresses qui appelaient les femmes mariées à la maison pour leur manquer de respect, pour les insulter, pour leur appeler leurs faiblesses. Et selon elles, c'est à cause de ces faiblesses-là que les maris laissaient les femmes au foyer pour les rejoindre dans leur petit studio pour passer du bon temps. Ça, on l'a tous appris. Mais il y a une tendance qui s'installe et qui est tellement malheureuse et dramatique. J'ai tellement de mal à comprendre que peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer en écoutant cette vidéo. Des hommes qui vont tromper leurs femmes avec d'autres femmes, donc qui passent du temps chez leur maîtresse et qui entrent à la maison avec les dessous de ces maîtresses. Je ne comprends pas à quoi ça sert. Parce que la femme déjà, quand vous finissez le travail et qu'elle vous appelle, même quand vous décrochez et que vous lui dites « je suis avec un ami » ou « je suis à une réunion » ou quoi, quand vous mentez, elle sait que vous mentez. Elle vous laisse parler parce qu'elle n'a pas envie d'entrer en conflit avec vous. Et des fois, quand elle se rend compte que discuter va créer un problème, elle préfère se taire et accepter en se disant « il finira par rentrer ». Mais quand vous êtes en même temps en train de passer du bon temps avec une autre femme, vous êtes heureux avec elle parce que vous n'arrivez pas à dire clairement à votre femme ce que vous lui reprochez. Vous n'arrivez pas à lui parler des insuffisances qui minent votre foyer et que vous donnez l'impression d'être heureux à ses côtés alors que non. Mais que finalement, vous êtes avec une autre femme. On imagine bien ce que vous faites là-bas. Donc, vous n'avez pas besoin de ramener les preuves de ce que vous êtes allé faire avec cette femme. Je ne sais pas si on se comprend jusque-là. Parce qu'avoir des rapports intimes avec une autre femme, ça blesse celle que vous dites que vous aimez, celle à qui vous avez fait une promesse pour la vie, celle que vous présentez à tout le monde, celle que vous affichez à tout le monde. En fait, à un moment, l'afficher, la présenter, ce n'est pas vraiment ça qui compte. Mais ce qui compte, c'est la relation que vous avez tous les deux, de comment vous la traitez, du respect que vous lui donnez, de comment est-ce que vous l'estimez par rapport aux autres. Mais quand vous ramenez les dessous de votre copine à la maison, le message c'est lequel? Écoute, elle est déjà là, vois. Énerve-toi, pars pour qu'elle te remplace. C'est ce que vous voulez dire. Mais pourquoi vous ne prenez pas sur vous la responsabilité de discuter clairement et d'informer votre femme ou votre fiancé ou votre concubine? Parce que ça arrive à tous les domaines de la vie amoureuse des femmes. C'est tellement triste. Mais en même temps, ces filles-là se réjouissent et je suis surprise. Oui, les filles, je vais vous dire. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit que j'étais très irrespectueuse de porter des lunettes de soleil pour vous parler, sans comprendre que j'ai de graves problèmes d'yeux, et donc je ne peux même pas conduire sans porter des lunettes. Mais là, pour vous parler, je vais enlever mes lunettes. Vous savez, un homme peut venir vous raconter sa vie en vous faisant croire que dans sa relation, plus rien ne va. Un homme peut venir chez vous enlever son alliance, la porter comme une médaille, ou même la cacher dans sa poche. Je l'ai dit dans une de mes chansons. Les hommes de maintenant utilisent leurs alliances pour décapsuler les bières pour leurs copines. C'est pour dire qu'en fait, ça ne leur tient plus à cœur. Quand à un certain moment, l'homme ne se sent plus bien avec sa femme, il a besoin de se sentir bien avec une autre femme. Et ça peut être vous. Cet homme-là peut vous avoir manipulé pour gagner votre cœur. Mais quand vous vous rendez compte qu'il est marié, puisque vous êtes déjà avancé dans les sentiments, vous avez du mal à rétrograder. Mais ça ne vous donne pas le droit, absolument pas, de lui permettre de rentrer chez lui avec votre dessous. D'abord, vous ne savez pas à quel risque vous vous exposez. Vous avez des fois tendance à tenir compte du maraboutage parce que certaines femmes savent sur quoi elles comptent. C'est surtout pas sur Dieu. Elles ont leur marabout, le petit fétiche qu'elles adorent. Elles ont des baïas qu'elles portent. Quand l'homme les voit, il ne peut plus rien faire sans elles. Quand elles disent non, c'est non. Quand elles disent oui, c'est oui. Si elles demandent de chasser la femme, il le fait. Ok, ça c'est éphémère. Mais pour vous, c'est peut-être éternel. Mais mettez-vous à la place d'une femme qui a passé la journée à attendre son mari et qui espère qu'en soirée, il passe un bon moment. Quand elle l'aide par exemple à se déshabiller, qu'elle range ses affaires, des affaires qu'elle va laver à la main, même si c'est à la machine, et qu'en fouillant les poches, elle trouve votre dessous. C'est une grosse humiliation pour elle. C'est une insulte pour elle. Mais c'est votre vie que vous mettez en danger. Parce que si cette femme-là connaît un marabout plus puissant que le vôtre, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Des fois, quand vous avez arrêté votre stage dans les vies des hommes mariés et que vous décidez maintenant de vous unir à un seul homme, vous vous étonnez des impossibilités que vous avez de procréer. Vous vous étonnez de la paix que vous ne trouvez pas dans votre foyer. Vous vous interrogez sur pourquoi entre lui et moi ça ne va pas, alors qu'avec les autres ça allait. Mais avec les autres, vous étiez dans le vol. Cette fois-ci, vous êtes dans la lucidité. Et tout ce que vous avez fait dans le vol va vous rattraper. Un homme peut vous utiliser, il peut vous manipuler. Mais dès que vous savez que vous n'êtes pas seul dans sa vie, il y a une éducation que vous devez lui donner. Peut-être que c'est plus fort que vous d'interrompre la relation. Je ne vous dirai pas,
Tu as su aujourd'hui qu'il est marié, laisse-le demain. Chacun a sa façon de gérer les choses. Mais ce que je veux vous conseiller, c'est de ne pas jouer à son jeu. Ne vous sentez pas trop belle, trop importante, trop irrésistible, au point où l'homme ne peut pas respirer sans vous. Il est obligé de rentrer chez lui avec votre dessous. Pour aller y faire quoi? À quoi ça lui sert de partir avec une partie de ce que vous partagez en intimité? Vous savez qu'une femme qui se fait confiance, quand elle sait que l'homme avec qui elle est a déjà une relation, elle le laisse tomber. Est-ce que vous savez qu'une femme qui se fait confiance, même si elle a du mal à laisser tomber un homme de qui elle est amoureuse, elle va prévoir de le laisser? Mais une femme qui se fait confiance ne permet pas à un homme d'aller humilier sa femme pour elle. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, on vous le fera demain. Et des fois en version améliorée, avec tous les accessoires que ça comporte. Cette vidéo, ce n'est pas pour vous juger, mais c'est pour ouvrir votre esprit. Un homme peut décider de faire du mal à sa femme en vous utilisant. C'est à ça que vous devez dire non. Si vous n'êtes pas sérieusement amoureuse de lui et que c'est de l'argent dont vous avez besoin, demandez-lui de l'argent, prenez, disparaissez, donnez-lui l'occasion de revivre un bonheur avec sa femme et ses enfants. Si vous l'aimez vraiment, donnez-vous les moyens de passer à autre chose parce que cet amour est impossible. Mais qu'en plus, vous faites du mal à une autre femme. Toutes les femmes sont des étoiles, elles méritent de briller. Si à cause de vous, une femme arrête de briller, c'est un problème. Pour celles qui sont dans des relations avec des hommes mariés, mais qui ne le savent pas, j'espère qu'un jour vous serez illuminé et que vous prendrez la décision qui vous sied. Pour les autres, vous qui faites du mal aux femmes, vous êtes des femmes. Une autre femme servira à vous faire du mal aussi.